toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la France sans cap et surtout sans capitaine. Parce qu'avec Macron, là, c'est vraiment de plus en plus moche. Alors, je prends un exemple. Quand il y a eu l'histoire de Sciences Po, notre président a déclaré, et je le cite, a rappelé avec clarté et fermeté sa position. Oui, les établissements universitaires sont autonomes, mais cette autonomie ne justifie en aucun cas le moindre début de séparatisme. Alors là, je pose la question, je suis le seul visiblement, en quoi l'antisémitisme d'une grande partie de la gauche française, qui est habituée à être antisémite, il faut le savoir depuis des siècles, en quoi donc cet antisémitisme serait du séparatisme ? Si M. Macron peut me répondre et m'expliquer, je veux bien, mais ce n'est pas grave. Après, on a eu, plusieurs jours après, bien après, l'incroyable définition du Premier ministre sur l'islamisme. Ça, ça a été vraiment extraordinaire. Alors, Gabriel Attal, lui, c'est un vrai socialiste aussi, hein. Donc il sait de quoi il parle. C'était le 25 mars 2024 au PC de la gare Saint-Lazare à Paris. Et voici ce qu'il nous dit. Je le redis ici, l'islamisme n'est pas une religion, ce n'est même pas une simple idéologie, c'est une spirale, un engrenage de la haine qui se nourrit de notre naïveté et qui veut tuer la République. Point, fermez les guillemets. Alors, si l'islamisme n'est pas une religion selon un Premier ministre, M. Attal, comment peut-il nier à ce point la réalité? Alors, je vais lui juste faire une réponse simple, lui donner la définition du Larousse, je pense que c'est sur le mot islamisme, je pense que c'est un dictionnaire qui fait foi. Premièrement, c'est un synonyme vieilli de islam, islam, islamisme, coucou monsieur le Premier ministre. Deuxièmement, ça désigne depuis les années 1970, donc notre époque, la sienne aussi, à notre Premier ministre, un courant politique de l'islam faisant de la charia la source unique du droit et du fonctionnement de la société dans l'objectif d'instaurer un État musulman régi par les religieux. Voilà. Alors, monsieur, en quoi ce n'est pas une religion puisque c'est défini comme une religion? Il faudrait arrêter de déconner, quoi. Hein. Il y en a un peu marre de tout ça. Et je vous donne aussi, puisqu'on est à parler mots, les principaux synonymes, islam, islamiste, islamisation, islamisé. Donc, l'islamisme n'est pas une religion, monsieur le Premier ministre. Eh bien si, c'est une religion. Et même actuellement, ce qui se passe, on est dans une guerre de religion, et je suis étonné, alors là j'ai été très étonné d'entendre monsieur Zemmour dire qu'il s'agit d'une guerre de civilisation. En quoi serions-nous dans une guerre de civilisation puisque nous sommes dans une guerre de religion? Alors là aussi, il faudra expliquer, hein, parce que tous ces gens-là, là, qui ont fait des études, qui se la pètent, qui sont prétentieux et tout, il faudrait quand même qu'ils acceptent que un chat, c'est un chat. L'islam, l'islamisme, etc., comme l'a dit le Larousse. Donc, on est toujours dans une France incroyable, sans capitaine, sans tout ça. Alors, la Macronie, c'est un peu le pays des cauchemars, hein. Je vous donne une petite chose en plus, là. La logique de cette Macronie est formidable. Macron balance 3 milliards à l'Ukraine en direct, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a aussi balancé 9 milliards via l'Europe, toujours pour l'Ukraine. Mais par exemple, pour sauver une marque importante, Atos, il propose royalement 50 millions. Vous voyez un peu comment il va sauver la France, le gars, hein. Donc, il faut savoir que pour la santé, le sport, la police, si vous allez voir le budget de l'État, c'est ric et rac, hein. Il n'y a pas grand-chose de plus. La santé s'écroule, le sport s'écroule, l'école, je n'en parle même pas parce qu'elle est déjà écroulée. Et c'est vraiment extraordinaire parce que Atos est une entreprise à la pointe du progrès de services du numérique. D'accord ? Elle a été créée en 1997. Et elle fait partie des 10 plus grandes sociétés mondiales du service numérique, hein, ce qu'on appelle des ESN. Ils aiment bien les abréviations, les appellations, etc. Ils emploient quand même 110 000 personnes en direct. Donc voilà. Et je vais conclure avec cette déclaration-là qui m'a scotché sur ma chaise.
que j'ai lue, je ne l'ai même pas entendue parce que je ne regarde plus la télé. Déclaration stupéfiante donc du président Macron qui dit il veut convaincre les Français que trop d'impôts tue l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Voilà ce que dit M. Macron, notre président de la République. Et bien là, je suis vraiment sidéré car c'est Macron depuis 2017 qui a augmenté tous les impôts directs ou indirects. Vous pouvez vérifier si vous ne croyez pas. Et je vais vous donner les derniers impôts qui ont augmenté indirects, mais que vous payez forcément, puisque tout le monde les paye. Le prix de l'essence, bien sûr, le gasoil, le gaz, le DF, les timbres. Là, on a une petite nouveauté, c'est, vous savez, le minimum à verser pour les médecins qui passent de 1 à 2 euros et qui était passé de 50 centimes à 1 euro déjà sous Macron. Ça veut dire 4 fois plus sous Macron. Et c'est pas fini parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a toutes sortes d'impôts qui se sont grevés là-dessus et qui ont augmenté. Il faut savoir, par exemple, que les taxes de l'État sur l'essence représente aujourd'hui plus de 70% du prix de l'essence. Et la technique des politiques, c'est de vous faire croire que c'est le raffineur qui s'en fout plein les fouilles. Et non, c'est l'État. C'est l'État. Et ils veulent tout taxer. Il faut savoir qu'ils veulent tout taxer. Ils ont baissé 4 fois les retraites. 4 fois les retraites en quoi ? En 7 ans, à peu près, hein ? Et c'est passé totalement inaperçu. Je crois que je suis un des rares sites qui a publié des articles sur cette baisse qui a été chiffrée à chaque fois. Mais bizarrement, on n'en parle pas parce qu'il ne faut pas déranger, il ne faut surtout pas déranger la politique. Et je vous le dis, tant que personne n'appellera un chat, aucun progrès ne pourra être accompli face à cette idéologie barbare et dangereuse qu'est l'islam. Parce qu'il faut revenir à nos moutons, il faut revenir au pays. On est en train de vivre une situation dramatique. Tous les jours aujourd'hui, en France, il y a des jeunes qui se font tuer, blesser, agresser, uniquement parce qu'ils sont blancs. D'ailleurs, j'ai écrit un article qui est passé un peu inaperçu sur la blancophobie. C'est-à-dire la haine du blanc, parce qu'on est dans un système où on a travaillé, on a fait la propagande de la haine du blanc pendant des années. Ça l'a fait des années qu'on nous bourre le mou avec ça. Hein, les pauvres immigrés, les pauvres de la diversité, tout le bordel. Mais tout ça, c'est du pipeau. C'est de la politique, c'est de l'idéologie, c'est du marxisme, c'est du socialisme, du communisme, c'est de la gauche. Et cette gauche-là, moi, je n'en veux plus. Parce que la gauche, elle réduit l'homme à l'état d'esclave, elle bousille la société, il faut le savoir. Donc, qu'on nous appelle après complotiste, fasciste, réactionnaire, extrême droite, extrême machin, tout ce que vous voulez, mais on s'en fout aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le combat, il est simple. On est face à deux blocs, dont un est plus gros que l'autre, malheureusement, le bloc idéologique, si vous préférez, donc progressiste, socialiste, etc., comme je vous l'ai dit, et en face, il y a le bloc pour la France, c'est-à-dire les gens qui veulent rester dans leur pays, les gens qui veulent que la France reste la France. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Sauf que, malheureusement, on est très minoritaire pour défendre cette France, très minoritaire, puisque j'ai vu dans les rues, encore une fois, des drapeaux de certains pays ou de pays qui n'existent même pas encore. Mais je n'ai pas vu de drapeau français aux fenêtres chez les gens. J'en ai pas vu. Et c'est là où est le problème de ce pays. C'est qu'on a tellement craché sur notre pays que les idéologues, là, que ce soit les médias, les politiques, ont tellement été anti-français que ça a fonctionné. Les gens dans leur cerveau un peu embrumé, un peu embrouillé, ne font plus la différence. Et c'est pour ça que tout va mal, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis, il faut choisir son camp et voter intelligemment. C'est dur, je sais, de choisir un camp, mais il faut le faire. Parce que sinon, Macron va encore gagner, parce que vous ne le croyez pas, mais il va encore gagner. Et en 2027, on aura un président qui sera soit Mini-Macron, soit Édouard Philippe, soit un autre. On s'en fout, de toute façon, ils seront du même club.
le club de la Macronie, et cette Macronie, elle a détruit la France. Bon, j'arrête là, parce que, comme je le dis toujours, on est mal, on est même très mal, et là, c'est de plus en plus mal. À bientôt, merci. Au revoir.